Je viens de commencer la vidéo, je fais encore une fois un petit concours, je vais gagner une carte iTunes et Play Store tous les 100 commentaires sous la vidéo. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi, n'hésitez pas donc voilà, à liker et à commenter, vous mettez n'importe quoi comme commentaire. Il faut qu'on atteigne ben, au moins 100 commentaires pour que je fasse gagner une carte iTunes et Play Store. Et si vous voulez que je fasse gagner d'autres cartes, enfin plus de cartes, c'est-à-dire ben, tous les 100 commentaires je gagne une carte de chaque, ben, n'hésitez pas à partager, à commenter encore plus la vidéo. Donc voilà, c'est parti, on commence la vidéo. Go! D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Bug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pack opening, mais il y a dans ce pack opening le coffre de saison que vous verrez à la fin. Donc là, il n'est pas là parce qu'en fait, je l'ai déjà fait. Mais il sera donc à la fin. Donc il y a eu vraiment du lourd. Donc je vous conseille de regarder la fin, enfin de regarder toute la vidéo, mais surtout la fin. Il y a vraiment du lourd dans ce coffre. Et j'ai ouvert également un petit coffre gratuit juste après. Bref, vous verrez à la fin. Donc là, on a 3 coffres en haut, 4 coffres en bas. Donc ça nous fait déjà 7 coffres. On a un petit coffre de clan. Donc ça nous fait 8 coffres. Et un petit coffre de défi. Donc ça nous fait 8 coffres. Attendez, 7, 8. Ça nous fait 9 coffres. Bon, le plus important, c'est coffre de clan et coffre de défi. Et peut-être coffre de gratuit ou couronne. On va voir. Donc la coffre gratuit, on commence direct. Le pack opening, c'est un d'or. Ensuite, on a un gobelin, c'est tout. Ils sont pas très généreux. Hein. Et 12 Tesla. Ok, ça roule. Allez, deuxième coffre gratuit, c'est parti. Sandor, une pierre tombale et 12 bombardiers. Premier coffre en argent, 66 d'or, une TDE et 12 gargouilles. Ok. Ensuite, on va se faire le... Ouais, on va continuer, on va se faire le... De toute façon, j'ai pas beaucoup de gemmes, donc je peux pas ouvrir de coffre. De toute façon, il y a bientôt les mises à jour, donc on prépare les gemmes en cas où on sait jamais. Et puis, au niveau des cartes, rien de spécial. Ouais, une nouvelle... Ah, tiens, c'est vrai que... ouvert à la fin, quelle carte j'ai eu, mais... Suspense révélé, en fait. J'ai eu le méga chevalier, on va s'augmenter là, niveau... On va l'augmenter après. Juste après, à la fin du pack opening, on va s'augmenter au niveau 2. Donc là, les coffres en argent, l'avant-dernier, 75 d'or, excusez-moi. Donc 75 d'or, une TDE et 12 mortiers. Ok. Ouais, dernier coffre en argent, c'est parti. 85 d'or, une mousquetaire et 12 canons de gobelin. D'ailleurs, j'ai même pas eu de gemme dans les deux coffres gratuits, je crois. C'est pas ouf. Hein. Allez, coffre à couronne. Coffre en or, pardon. 240 d'or, 13 géants royales, 2 extracteurs d'élixir, 2 trois mousquetaires et 24 Tesla. Ensuite, on va se faire le coffre de défi. C'est parti, 6 victoires, donc j'ai pas fait plus. Donc 600 d'or, 2 pierres tombales, 20 mortiers et. Oh, une épique, tiens, un tirage. Bon, ça fait quand même plaisir d'avoir un tirage. Une petite épique. Dommage que c'est une seule épique, mais bon, ça reste quand même une épique. Merci pour le géant. Là, on va se faire le coffre à couronne. Ouais, il ne reste plus que ça. Après, on va augmenter la légendaire. La fameuse légendaire au niveau 2, le méga chevalier au niveau 2. C'est cool ça. Ça coûte 5000, donc ça va. Allez, coffre à couronne. 633 d'or. 2 gemmes. 1 géant. Bon, là, il m'en manque un peu moins de 400 et je peux passer niveau 11. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est cool. Ça augmente doucement. Je fais tous les jours des demandes de géants. Je demande que des géants à chaque fois. Et donc là, ben, doucement, j'approche. Donc je pense dans 2 mois maximum, on devrait être au niveau 11 pour ce géant. Machine volante, juste... Allez, je peux augmenter ça aussi. Tiens, je l'ai eu dans le coffre. C'est vrai, je peux l'augmenter. On l'augmentera peut-être si j'ai assez d'or. Donc ça, juste un seul, c'est pas énorme. 6 guérisons et du coup, non, même pas des piques. Okay. Oh, 74 barbares. Du coup, ça me fait 330 d'or, c'est cool. Ouais, je prends, hein. Je prends. Et puis on va faire le coffre de clan et puis on augmentera les cartes juste après du coup. Donc allez, c'est parti, coffre de clan. On a fait que 5 victoires, c'est pas fou. Hein. 5 victoires, c'est vraiment pas fou. Là, faudrait que ben, si vous êtes actif dans le clan, ou si vous voulez, ou si vous n'avez pas de clan et que vous voulez venir, n'hésitez pas parce qu'on est 40 ou 35-40 et il n'y a pas beaucoup d'actifs. Donc n'hésitez pas parce que là, le coffre de clan niveau 5, c'est vraiment pas ouf. Niveau 10, il y a moyen d'avoir une légendaire, mais niveau 5, vraiment, il n'y a pas moyen. Quoi. Enfin, c'est hyper, mais hyper rare. Et encore, je sais même pas si on peut. Donc là, 660 d'or, 3 bombardiers, 7 Tesla, 11 gobelins à sarbacane, bientôt niveau 9. Oh, dommage. Donc là, miroir, une épique. Je me suis dit épique avant la fin, légendaire. J'ai regardé le petit 1, il clignotait pas.
Du coup, pas de légendaire. Dommage. Bah, du coup, ce sera une commune ou rare. Je sais pas. Suspense. Commune, tiens. 88 barbares d'élite. Ok. Bah, on prend. Hein. Toujours sympa. 88 barbares d'élite. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter. J'ai 50 000 d'or. On va augmenter alors ça. Et on va augmenter aussi également ça. Machine volante, allez, on augmente à niveau 6, et je crois que je peux mettre niveau 7. Donc 11 de dégâts en plus, dégâts par seconde plus 11 aussi, et points de vie plus 41. Donc voilà, je peux augmenter que au niveau 6. Ensuite, le méga chevalier, c'est parti, niveau 2, donc dégâts de dedans plus 24, dégâts de génération 48, dégâts de saut 48, et points de vie 330 en plus. Donc là, ça va être vraiment du lourd au niveau des points de vie. On arrive à 3630 points de vie. Donc c'est parti. Méga chevalier niveau 2, je crois que je les ai tous niveau 2 les légendaires. Donc voilà. Hop là. Et je crois que j'ai les légendaires, ouais, tous au moins niveau 2. Ouais, tous niveau 2. Et pas mal niveau 3 quand même. Pas mal niveau 3 et niveau 2. Donc ça c'est plutôt cool. D'avoir cette légendaire au niveau 2 en tout cas. Donc voilà pour ce pack opening. Ah, je sais augmenter la charge attaquant, on va l'augmenter aussi, tiens. Allez, c'est quoi que 2000. Niveau 3. 17 de dégâts. Plus 14 de dégâts par seconde. Point de vie plus 58. Et point de vie du bouclier. 58. Ça roule. Bah ça fait plaisir toutes ces améliorations. Là j'ai pas dépensé. J'ai dépensé même pas 20 000 d'or. Donc ça fait même pas, ouais, même pas 10 000 d'or. Donc ça fait plaisir. Et puis dans une prochaine vidéo, on augmentera pas mal de cartes. Mais il faut que j'économise encore. On va dire à peu près 200 000 d'or pour faire une vidéo spéciale pour monter les cartes. Donc voilà, d'ailleurs j'arrive presque à 30 000 XP, du coup ça c'est cool. Donc voilà, bah, en tout cas, j'espère que ça vous a plu ce pack opening. Bah, enfin il reste juste la fin, il reste le coffre de saison. De cette saison, je suis arrivé à 4500 trophées, donc vraiment un bon petit coffre. Et puis du coup, vous savez quel légendaire j'ai eu, mais bon, ça fait quand même plaisir de voir la réaction. Et du coup, un petit coffre gratuit aussi également. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup juste pour la fin, pour l'opening du coffre de saison. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, à partager cette vidéo. Et puis je vous laisse pour la suite. Allez, ciao, ciao. Donc nous voilà pour la fin, pour du coup le résultat de la saison combattant 2. Donc j'ai fini combattant 2, j'ai terminé à 4522 trophées. Et du coup on se retrouve avec un petit coffre de saison qui est, on va dire, ça va, il est quand même pas mal, hein. Combattant 2, c'est quand même un bon petit coffre. Mais bon, j'aimerais bien tenter. Donc là on l'ouvre, on commence, donc 3000 d'or. Ensuite, au choix entre, du coup c'est le choix, hein. c'est le choix, donc là chevalier, hein, parce que mortier, hein. Voilà quoi. Donc là, choisis bien sûr la machine volante pour l'augmenter au niveau 6 que j'ai fait juste avant, comme vous avez vu. Donc là, je commande par-dessus. Hein. Et donc là, il reste deux cartes. Deux cartes, attention, suspense. Le suspense à son comble, regarde un petit peu ce que j'ai eu. Donc là, golem et gel. Je vais choisir le golem, tout simplement parce qu'en fait, le gel, je peux déjà le passer au niveau max et je ne l'ai pas fait. Du coup, on augmente plutôt le golem. Donc bientôt niveau 6, le golem, ça c'est cool. Et du coup, le petit 1, comme vous avez vu, légendaire. Quand j'ai vu ça, j'ai ouvert ça. Quand j'ai vu ça, j'étais super content. Du coup, on a l'animation et le choix entre Dragon de l'Enfer et le Méga Chevalier. Bah, évidemment, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le Méga Chevalier qu'on pourra passer au niveau 2. Alors que Dragon de l'Enfer, non. Du coup, enfin, on peut le passer, mais pas niveau 2. Quoi. Il faut, on le aura que 2 sur 4 pour le passer au niveau 3. Donc voilà, Méga Chevalier, 2 sur 2. Donc je l'ai passé comme vous avez vu dans la vidéo. Enfin, juste avant dans la vidéo. Je l'ai passé donc au niveau 2. Donc voilà pour ce petit coffre de saison qui est vraiment pas mal. Et puis du coup on va s'ouvrir un petit coffre gratuit juste après. Mais voilà, coffre de saison qui est pas mal. J'aurais vraiment voulu tenter, pourquoi pas. Donc là, coffre gratuit, 103 d'or, 11 bombardiers. Et pour finir on a 2 grisons, c'est pas ouf. Mais donc voilà, comme je voulais vous dire, j'aurais bien sûr bien aimé, pour la prochaine saison, pourquoi pas tenter les 4900 pour passer combattant 3 ou 1, je sais pas. Je crois que c'est combattant 1, pour essayer d'avoir un meilleur coffre. Ça serait assez cool. Donc voilà, vraiment pour la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce coffre de saison vous a plu. En tout cas, il m'a régalé. Quand j'ai vu la légendaire, il m'a régalé. Pas Dragon de l'Enfer, mais le méga chevalier que je peux passer niveau 2, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao.